Je vous avais promis une anecdote et je récompense les viewers du vendredi. Ok. Du coup, là, fin de la vidéo, petite anecdote. C'est peut-être même un petit extrait qu'il y a au début pour dire aux gens qu'il y a euh, la petite anecdote à la fin. Je ne sais pas. Salut à tous et bienvenue sur Valpell Magic Arena FR. Comment ça va, fou Ça va très bien, toi Ça va très, très bien. On se retrouve aujourd'hui pour Glarbichi, Sultai. Bon, en vrai, c'est presque mono-noir, hein, mais quand même un petit peu euh, Dimir et un petit peu Sultai pour ce petit Glarbe midrange. Euh, voilà, la base classique, les, les cartes noires qui sont très puissantes. Euh, donc le but du deck midrange, range on va essayer de gagner le milieu de partie. On va tuer les bêtes avec des trucs comme droit à la gorge, exterminer, vertu de persistance. On va attaquer la main avec chauve-souris, profondeur et la petite contrainte. Euh, on a des outils de grind comme Liliana du voile, enquêteur hostile qui défausse aussi la main de l'adversaire potentiellement. Et on a les bonnes cartes noires qui sont Bronco, euh, Sheldrake de l'Apocalypse notamment, et le late Game avec l'Azots et Commandement de Geeks, et Vertu qui est aussi du late Game. Et en nouvelle carte, on a Glarb, Augure de Calamité. Pour Sultai, on a une 2-4 contact mortel. Il est grenouille, sorcier noble, stylé. On peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque à tout moment. On peut jouer des terrains et lancer des sorts qui coûtent 4 ou plus depuis le dessus de notre bibliothèque. Et on peut l'engager pour surveiller 2, ce qui nous permet de trouver forcément l'un ou l'autre. Sachant qu'il y a pas mal de trucs qui coûtent 4 ou plus dans le deck. Euh, Vren aussi qui est une nouvelle carte en x1. Euh, il y a un exemplaire aussi dans le side. C'est une 3-4 par 2 pour 4. C'est très très chiant à gérer en limité. Si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir, exiler là à la place. Ça fait un petit peu de hate. Et au début de chaque étape de fin, créez X jetons de créatures 1 un, noir un, un, rat. Avec cette créature, gagne plus 1 plus 1 pour chaque autre rat que vous contrôlez. X étant le nombre de créatures que vos adversaires contrôlaient qui ont été exilées ce tour-ci. Avec un token très stylé, ça fait vite des gros rats et beaucoup de rats potentiellement. En fait, c'est dans tout ce qui est bataille de board. Vous mettez Vren, adversaire est en mode ah merde. Tant que je gère pas il va se passer des trucs. Et oui, mmh. s'il si joue des créatures, il va se passer des trucs. Euh, pour le bleu aussi, on a Erta revenu à la vie en petit exemplaire, hein, qui va être anti-bête ou contre. Et on a Lazav, un super tour 2, qui est 2-3 pour 2, qui permet d'exiler encore une fois du cimetière, et potentiellement, quand on sacrifie des indices qu'il crée lui-même, de le transformer en une autre bête. Voilà, pour le reste, c'est du classico. En side, on a deux négations, un Larcin de Villegriffe, j'adore cette carte, deux déchiquetés, deux fermaries de Tishana, une contrainte supplémentaire, trois éclipses malicieuses, euh, un glissé du soleil, une fin, un air revenu de la vie, un vraine. Ça a vraiment l'air d'être une euh, déclisse de tournoi, puisqu'il y a beaucoup de one-off dans le deck et dans le side, et de, de deux exemplaires, etc. Ce qui est un casse tête pour l'adversaire. Sachant que on fait, tant qu'on n'a pas Glarb, pas beaucoup de sélection, donc ça rend le deck un peu instable. Par contre, quand on a Glarb, de surveiller deux et pouvoir jouer les cartes du dessus, bah, ça nous permet de trouver plein de trucs différents, ce qui est assez cool. Avec l'upside en plus d'avoir vertu qui est un drop 2 qui peut se jouer quand même avec l'arbre parce que c'est un drop 7 euh, sur, euh, sur le dessus du pack. On est parti. Yep. On remercie évidemment Plain Magic Bazar. Code ValuePL 2024 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous utilisez le code. Donc merci à tous. Et merci également à Ultimate Guard. Un lien d'affiliation dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur le site. Vous êtes sur le site, vous faites vos achats, vous recevez, vos achats, vous recevez chez vous. Vous sauvez chez vous, vous êtes content. Et tout le monde est content, ça nous a soutenu. Merci bien. C'est parti. Yep. Merci beaucoup. Euh, La Belle Carte sponsorise aussi cette vidéo. Euh, La Belle Carte, c'est notre société euh, et notamment notre société sur laquelle vous pouvez retrouver un site internet où on a plein de produits TCG. Et donc, en sponsorisant cette vidéo, elle vous permet de remporter un booster Bloomborough. Pour ça, c'est très simple. Vous pouvez laisser un commentaire dans l'espace commentaire, euh, vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu. On tirera un gagnant au sort dans les jours qui arrivent et vous recevrez votre petit booster chez vous. On va euh, mouligan cette petite main, je pense, PL. Ça dégage. Et on peut sérieux. aussi notamment nous retrouver sur Vogue 4 fois par semaine à partir de 18h avec le code Carte. Vous avez 10 euros offerts. Toutes les informations sont en description, bien sûr. On va garder ce petit bronco, je pense. On va garder cette main et on va enlever une vertu. Euh, non, la a euh, Non, tu vas enlever un lance, je pense, ouais et une ouais, ouais, C'est moins bien. Ok, merde, ça. Ça a changé la donne, j'aurais pu lander ça, ça pour Bronco. Pour oh, ouais, ce moussu oui. notamment. Euh... Euh, je sais pas si tu aurais tué le moussu, je pense que tu veux d'abord Bronco, et ensuite tuer ce qu'il a en face, et en face, ça sera probablement deux bêtes, et tu pourras faire vertu plus exterminer possible. et, ouais, et du coup taper en fait, avec ton Bronco. C'est peut-être mieux. Nos blocs, moins de choses à tuer pour passer avec le Bronco, c'est bien. Bon, par contre, on a des vertus, donc le Bronco, faut faire un peu attention, quoi. Ouais, ça va. On en a déjà non, deux dans mais... la main, donc il y a pas beaucoup. De ouais, choses. mais il y, y, y a beaucoup de monde où tu vas le sceller, quoi. Hum. Allez, on tape. Ouais, euh, je peux poser ça. Sans surprise, c'est une surprise ça. Ah, en vrai, j'aurais pas dû lander, j'aurais dû peut-être passage. Pourquoi mmh, Pour aller chercher. Oh, quoi que non, je vais passage après. Bah non, tu pourras passage à ton tour. ouais. Je prends 3 Non, je pense que tu, tu peux commencer à exterminer un peu là. Ouais. faire attention à notre pool de PV. Je donne un peu de value, c'est chiant, mais. Bah ouais, mais bon. S'il fait ça, ça veut dire qu'il développe pas de board, donc c'est aussi un coup de, un mmh. coup de tempo, quoi. S'il a pas son quatrième land, surtout. Enfin, faut qu'il soit d'étape. Mec, qu'il est humain, même s'il en a pas l'air. Oh, je le retue. Ok, Lazav, pas mal. Ouais, pas mal, ouais. Je sais pas si t'as besoin de fetcher, là. Ah. Ouais, je pensais faire Lazav anti-bête, non euh, je crois pas. Que... Enfin, tu vas refaire anti-bête, là, contre le moussu hmm. Il fait quoi, Lazav, euh, exactement, là Il va exiler. Enfin, quand il attaque, on exile une carte d'un cimetière, puis on enquête. Et quand on ouais, je crois que tu fais pas anti si jamais il attaque, du coup, tu peux attaquer avec ton, avec ton Lazav, toi. Ouais, je peux déposer Lazav. Ça faisait gagner ouais. du temps, en fait, de le tuer. Mais peut-être qu'à 17, je peux encore prendre 3. Oui, largement. Largement. Et si ça nous permet de connecter avec Lazav, tant mieux, parce que là, on a un problème d'écart de value, il fait plus de value que nous. Mmh. C'est vrai que dans notre version, là, avec l'arbre, il n'y a pas de pas de moussu vraiment une base mono noire d'arbre ouais. une liste qui a parfait sur magic online notamment c'est On on pour la 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 petite grenouille à l'intérieur ouais puis en plus il y a beaucoup de gens qui ont des bases noires avec tout euh, tout ce qui était jouant standard donc euh, ça te fait euh... Pas beaucoup Il okay, joue une version un peu un peu spicy en vrai, euh, je crois que tu vas le tuer avec Vertu. Hein. Ouais, tranquille. C'est j'aurais dû engager le manavir. Je crois que là ça n'aura pas d'incidence, mais... Non ouais ça n'en aura pas, ouais. Là tu vas pouvoir taper avec la Zav, créer un petit token, tu reprendras 3 mais tu t'en fous, parce que tu gagnes des PV. Non, c'est plutôt, plutôt cool. Là, ça, ça reste un matchup mid-range donc faut, faut quand mmh. même faire attention à la value quoi. Ouais là c'est ok. Un truc de late game qui gère mal. On a une petite carte à piocher en plus. Il doit avoir des déchets deck ou des chine Vu le, la gueule du format, je, je suis très peu enclin à penser que les gens ont pas de en enchantement deck. Mmh. On va voir si on a besoin de tuer quelque chose, comme une show ride Ouais par exemple. Ou une tortue. une tortue Ouais je sais pas si je joue encore les tortues florissantes. Les Golgaris. Ah non ouais non un ça tortue, fait 3-3 ouais. pour 4. Ouais non ça joue plus ça depuis bon, depuis que c'est sorti en vrai. On les a joués au tout début où c'est sorti puis après c'est, ça a plus été joué. Dès que ouais. le deck a voulu être un peu dynamique pour passer en dessous de, de... de... de domaine... Ouais. Et enfin, on a perdu 4 extensions donc peut-être que les déclisses aussi hein. sont pas les mêmes euh... non non ça joue pas ça parce que maintenant les Lys Golgari elles jouent la combo Vrasca et Talent de l'aubergiste et comme il y a toujours Domaine, en fait elles ont toujours envie de passer en dessous ouais, j'ai défaussé un land j'ai 5 mana déjà j'ai suis obligé de défausser un land ouais. sur le là elle fait mal cette Liana un peu la tuer s'il a pas bête Ouais, il faut que tu tentes. T'as pas trop le choix, je crois. Il y a d'en avoir. Excellent. Qui meule euh... Je sais pas si c'est bien de le meuler lui. Je meulerai nous. Dans, dans le doute, quand tu sais pas, euh, meule toi toi-même. Dirait une insulte. Ouais, meule toi toi-même, ouais. Ou alors un dicton. Quand tu sais pas, meule toi toi-même. Mais en vrai c'est un vrai dicton, hein. Enfin, le sens caché, pas si caché est très vrai. C'est vrai. Salut Glarba, on a quand même eu les 3 landes. Il y a 2 chances sur 3 pour trouver des cartes actives, donc j'y crois à mort, c'est la chance de ma vie. Nice. Euh, là je suis... Me reste... Si je fais ça.. Ouais. Après là tu peux rester anti-bat-up, tu gères son... son moussu là, tu regagnes 3 pèves et tu restes juste droit à la gorge. Non, tu le gères avec euh, vertu. Sinon, tu peux plus tuer son, son land. Euh, non, mais je regardais. Euh, je peux activer ça pour bloquer Moussu. Et tuer son land. Si jamais il fait anti-bet, tu reprends 3 points de Moussu, quoi. Ouais. Ah, tu penses qu'on on en fait maintenant Je suis. F. Je sais pas. Je pense à 1000 anti-bet son deck. Ouais, je suis plutôt, euh, plutôt team. Euh... Quand quand on on a, un peu de il avait du mana comme on a activé le land et il a pas anti bet donc ça veut dire qu'il a pioché chance tout temps. Ouais bien sûr mais comme il a énormément d'anti bet structurellement dans son deck une grande mmh. chance qu'il puisse en trouver un quoi. Ouais. Ça te punit un peu fort de, de faire ça donc euh, mmh. ça, ça serait un peu dommage. Du coup il attaque pas. Il en remet dans la même situation. Okay. Est-ce que je suis Bronco maintenant pour être maléficient Je crois pas non plus parce que il faut que tu gardes ce droit à la gorge pour son land. Et on espère trouver un truc qui bloque. Ouais. Bah ou au pire tu prendras 3, euh, tu prendras ah. c'est pas grave. Bien. Ouais ça c'est pas mal. Il va se défausser une carte. Et Toi va tu vas générer temps. un peu de value en plus. On a un bloqueur. Il n'y a pas de quoi le tuer là de suite. Enfin, pas, euh, pas, dans, pas dans notre tour. Yep, et là s'il active son land, bah, tu vas tuer le land, tu bloqueras un des deux et tu prendras des dégâts. Vu que t'as repassé à 8, c'est pas grave, tu peux te prendre des coups. un peu. Je peux prendre un coup. Le problème c'est que Bronco, ça peut tuer à distance, donc euh, on ne doit pas passer trop bas non plus. S'il si a Bronco sur le board. Ouais. Je crois que son meilleur scénario, c'est de te mettre une vertu ou un clazote dans la tête. Mm. Mais du coup, il décide d'attaquer pour s'empaler en sur enquêteur. Donc c'est quand même all-in, quoi. C'est genre. Non, mais il n'a pas besoin d'attaquer maintenant. Juste au bout d'un moment, il peut sceller Bronco et... et nous tuer si on est bas. On va sacrifier une bête. Il met deux marqueurs. Pff, quel enfer. Bah oui, rien. Bah, sur le bronc. Là, du coup, euh, si. Attends, est-ce qu'il décide de le sceller Il peut tenter le létal. S'il décide de le sceller, on le punit. Il bah, le scelle pas Je vais, pas je vais tuer maintenant, dans tous les cas. Oui, non, mais c'était pour savoir s'il décidait de le sceller ou pas. Mmh. Il l'a pas fait. De bon, toute façon, c'était assez. Euh, brillant qu'on avait un hein, anti en main. 3 Yes. Mais pourquoi Ouais, remarque. Je pourrais... Et là, tu peux ah, piocher une temps. carte en plus. Pas mal. suis une carte que je ferai euh, en réponse à quelque chose. Ouais. Tiens, perd 2. Et gagne 3. Donc, perd 1. Perd moins 1. Donc, gagne 1. Gagne 1. Ça te va de gagner 1. Tu gagnes un point de vie, mais tu casses ton artefact, d'accord Et là, sur pas danti euh, pas frais. Hein. Faut juste qu'on passe un tour pour développer notre vertu. Et après, c'est bon. J'ai l'impression quand tu dis développer notre vertu, on apprend à être des hommes meilleurs, tu vois On lit un livre de développement personnel, ce qui nous permet de jouer vertu de persistance. Ce qui nous permet de développer notre vertu, ouais, de devenir plus vertueux. Là. Ah. Bah, il veut juste piocher, vas-y bah pioche hein. tu perds des PV donc Si je passe à 2, je repasse à 4 avec ça, il a pas sa value. Il nous tue comment à distance Il nous tue pas, je peux prendre 3 là Moi je le bloquerai, je le laisserai piocher. Ah bon Ouais. Franchement si je cherchais All avec la pioche, on est pas bien. On est deg, ouais. Moi je prendrais 3. Ok, vas-y. Par contre s'il peut mettre 2 à distance, il fallait pas prendre 3. Hein. Parce que sinon il le fait je... Je connais pas le, le potentiel de Rich non. de Golgari. En tout je cas, en cas si il ouais, ouais. pas. Ça m'étonnerait. C'est bon. On gagne de PV. Ben là, je crois que c'est vertu. Hein. Je peux l'and Liliana et faire défausser une carte, mais bon. Je préfère Liliana, je crois. Hein. Non ah ouais bah en fait, ça, si pendant un tour il gère pas, ensuite on peut ranimer notre child raid, ranimer les trucs. Ouais, bien sûr, mais euh, bon, mais s'il si fait anti-bet, t'as perdu. Euh, s'il si fait fin de tour anti-bet. Alors que là, avec Liliana, tu peux encore bloquer avec ton 4-4, je crois. Non. Ou je peux aussi ah, fin ouais, de tour. Hein. En fait, j'ai peur que s'il fait juste anti-bet, bah, bah, tu, tu as perdu, quoi, avec ta vertu. Et, et c'est très sur... simple pour lui d'avoir des anti-bet. Je suis mort sur deux anti-bet. En restant comme ça. Ouais, c'est ça, mais je préfère que tu meurs sur deux antibêtes que sur un seul. Ok. Genre mourir sur un antibête contre Golgari, c'est dommage quand même. Je prends pas le risque. Bah, disons que si il avait pas l'antibête, visiblement il l'avait pas. Donc si le top deck est pas, on avait euh, sûrement gagné Bien sûr, mais le, le, le nombre de d'antibêtes que le deck a, je prends pas le risque. Si derrière ça nous met pas derrière, tu vois, genre là visiblement ça nous met ok, tu vois. Là on fait quoi Si tu penses qu'il faut le laisser passer pour qu'il pioche pas, Bah le truc c'est que tu me dis il y a un moment tu vas finir par le bloquer quoi. Ouais. Il nous met un. Si en fait le... je peux jamais développer vertu parce qu'on tourne toujours autour de deux anti-bêtes. De bah ça dépend quand t'auras un pool de PV assez haut euh, ou quand t'auras d'autres interactions il enlève, tu vois. Il enlève 3 je gagne 2 donc dans tous les cas mes PV baissent là. Le tour d'avant c'était ok parce que je pouvais regagner 2 PV. Ouais je suis chaud que tu... Chaud que tu bloques hein. Moi je suis team bloquant, c'est à lui de trouver euh, une réponse pour cette raid Au bout d'un moment on va développer notre Liliana euh, On va essayer de, de gagner comme ça. Mais Vertu, ouais pour l'instant on peut pas la développer. Elle mmh. peut pas avoir le flash. Ah, c'est ça qu'il perd 3 pèves quand même quand il fait ça il mousse il mousse le moussu ok là tu vas devoir faire liliana minus ouais Bon coup ça dégage non Je pense c'est pas mal s'il veut nous reach. Ok. Oh alors ça je peux pas animer mon land, mais je peux faire ça et l'Iliana. Ouais, mais du coup t'as un bloqueur donc ça revient en même. Ouais. L'idée c'est de pas mourir sur mono anti Si tu meurs pas sur mono anti c'est bon. Allez. Ça me fait un indice en plus. Pour gagner 2 PF plus tard. Lui faire défausser à dernière carte ou une bête, mais sacrifier ça, bon bah il repioche encore. Quoique là, il n'y a pas de problème. C'est le problème, c'est que là, t'es pas mort. plus mort sur anti-bête. T'es plus mort sur anti-bête. Tu passes à 1, ouais. S'il a deux anti-bêtes... Bah, imaginons Imaginons, je lui fais défausser. Il trouve un anti-bête. Il anime, il attaque avec donc, tout. Tu passes à 1, ouais. donc, ça va. t'es plus mort. T'es plus mort sur mono anti-bête. Donc, tu peux faire l'iliana plus 1. Donc, je je peux pense faire plus 1, ouais. Un exterminé bon ça tue pas grand chose parce que lui faire euh, réutiliser ça ça le faisait passer à 4 points de vie donc au bout d'un moment j'aurais était juste l'état non non mais là c'était bien je pense de, de lui éviter ouais. sa main on the spot ça, en fait dès lors que maintenant l'antibête ne, ne te tue pas c'est fine de développer quoi ça me rend plus fort du coup c'est ça exactement voilà on enchaîne des euh, bonnes draws euh, et ben on en a chié pour finalement réussir à gagner ça fait plaisir j'hésite tu... plutôt vertu je... ah, c'est c'est win more de fou on s'en fiche là de vertu je pense okay. là tu peux juste piocher une carte tranquille avec je ta avec ta red bah est que je bah, même les tailles, je crois que tu fais sacrifier et attaques et t'as gagné ah ouais euh... attends il sacrifie ça j'anime il attends. bloque il bloque attends. il prend 4. Ah, il a euh, un. Ouais, non, il a un. Non, je serais un petit plus. Ouais, quoique. Si, fais sacrifié, je fais sacrifier, on s'en fiche. Mange pas de pain. Je Pareil, sais. ton plan Liliana, ouais. il a... le plan plus de Liliana n'existe pas ici. Mm. Et tu euh, pioches ouais. avec, euh, avec ta Sheldred pour développer encore. Hein. Ouais. Du coup, si tu n'attaques pas. Dommage. Ah, il peut double block shoulder raid, même si ça nous met pas trop mal. Ouais oh ouais non mais là t'es bien, t'es échec et mat. Je pense c'était nice. mieux de prendre toute la ligne conservatrice que la ligne que mm -hmm. la ligne au En fait j'avais l'impression que si on était conservateur, euh, on risquait de se faire déborder euh, de value ou quoi, ou alors de se faire grignoter au PV suivant ce qu'on piochait. Bah, mais on a y qu il n'y avait pas d'indicateur sur la game en tout cas qui qui, qui, qui proposait ça quoi. Bah, c'était que si on bloquait jamais. On perdait un point de vie tous les tours, donc on était au top deck comme Ah, lui. si, mais pour, pour moi, si moi j'aurais bloqué dès le début de toute façon. Si on bloquait, euh, il, a, il pioche une carte de plus que nous tous les tours pour un point de vie, mais il était très bon point de vie. Et du coup, au bout d'un moment, il allait certainement trouver un anti-bet. Donc nous, on est au top deck. Lui, il pioche deux par tour pour trouver un anti-bet chez Old euh, Donc placer à un moment donné clé un gros pâté, tu vois, qui nous fait gagner la game. Le, le, le problème, c'est que il peut piocher deux par tour, mais ça lui coûte 3 PV. Et 3 PV sous Raid, en fait, il ne peut pas le faire trop, trop longtemps non plus. Quoi. Il, peut, il peut le faire 4 fois. Mais 4 fois, euh, il y avait ouais, statistiquement, mais du coup, ça il a le... moins de chances que ça suffise. Là, ça n'a pas été le cas. C ouais. ça, le met, euh, ça le met dans des conditions très complexes. quoi. Donc, contre lui, on va enlever la contrainte. On met ça, ça a l'air pas mal. Hein. Non, c'est un, un deck midrange il n'y a rien que tu as envie d'enlever euh, spécifiquement, non Pas. Bah... Enfin, j'aime pas la discard contre les en miroir de midrange comme ça où il n'y a pas de... de hit card particulière. C'est une discard qui marche en late game. Non, parce, parce que si tu promets le cadeau, tu récupères la carte, c'est ça Ouais. Ouais, mais en late game, les... on est au top deck. Les gens, ils n'ont pas beaucoup de cartes en main en late game. Ah, j'aime pas trop, moi. Je jouerai pas ça, je pense. Je jouerai, donc... euh... Euh... comment ça s'appelle Déchiqueté. Pour juste 4, gérer des trucs Ouais, ça gère des soccer s'il a des Vraska et mmh. tout, et puis ça gère aussi le talent de l'aubergie s'il le joue. Fin aussi, c'est bien. Bah, pareil, quand t'as pas une carte clé, fin c'est bien dans, contre les decks à Traxa, quoi, mais, mais je crois pas que ce soit bien en miroir Juste pour avoir un removal de plus, non Non, je crois Je crois que là, t'es pas squad, trop mal. Plus. Euh, je pense que tu peux enlever euh, sur... Bah, sur un air de jamais plus, c'est ok. Qu'est-ce que tu peux enlever Acclasote tu veux. Choisir, Enlève vertu et, euh, et euh, n'importe voilà Je peux même enlever Sholdred en vrai. Attends. Ouais, j'avais plus le temps. Si je submine pas, ça me enlève le side. Ok, ok, ouais, c'est ouais. pas grave. C'est difficile parce que son side est plein de one-off. Mais globalement, en mirror de midrange, je veux pas rentrer euh, beaucoup plus d'interactions, plutôt les diversifier parce que s'il a le plan combo, faut qu'on puisse gérer. Mm. Et j'aime pas trop non plus la, la, la discard... Je garde la, la main... Là, discard alors. ciblée quoi. Ouais, elle est très bien ta main. Manque une couleur, mais manque plus de couleurs. Il commence à faire chauve-souris d'abord. Du coup, c'est soit il en a autre chauve-souris, soit la gestion. Ce qu'on aurait voulu rentrer, c'est genre d'autres menaces, des menaces alternatives. Généralement, les sites de Golgari, mais bon, là, on est en Sultai un peu bizarre. Ils ont des Nissa, des euh, des trucs comme ça. Ça, j'aurais bien voulu rentrer, rendre le deck plus plus lourd. Mmh. Et enlever la chauve-souris qu'on gérera, du coup. Je crois que tu développes Bronco, là, je non Bronco Je vais pas faire fin de tour chauve-souris pour jouer ma chauve-souris après Je crois pas, parce que Bronco, ça va peut-être lui demander de faire un anti-bet et de pas développer un tour 3. Et si jamais il décide d'ignorer Bronco et qu'il met un tour 3, il va probablement attaquer avec sa chauve-souris. Tu feras anti-bet sur son tour 3, droit avec Bronco. Ok. Genre chauve-souris, elle t'interdit juste une chauve-souris, mais elle t'interdit pas du coup un anti bête Donc en fait sa chauve-souris on, on la laisse, on s'en fout là, on tue juste sa glissa et on, ouais. et on, et on pioche. C'est que si il avait une deuxième chauve-souris, il enlevait bête c'est vrai que c'est un peu chiant quoi. Ah mais dans ce cas -là... ouais mais tu peux pas tourner autour de double carte Moi c'est toujours j'ai un heuristique de base, mm. tu tournes autour des cartes, mais tourner autour des fois 2 en, en early game comme ça c'est compliqué quoi. Ouais. Là je crois que je tue glissa pour passer deux, piocher une petite carte. Ah bah c'est le plan depuis le début, ouais. C'est on tue son on drop 3, on ignore chauve-souris, on met les points avec bonco Ouf, on a de la chatte en plus. Ouais, en mirror, ça va, tu veux lander, c'est pas trop grave. Non, non, je veux dire, on n'a pas eu un truc qui coûte très cher. Parce que genre... Ah, on s'est pas 7, euh... piqué. Ouais, 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 c'est vrai. Ça fait une grosse diff, quoi. Mais t'as 4 cartes qui te mettent 5 ou plus. Euh, ouais, on a quitté des Donc vertus. Ça reste, ça reste peu. C'est comme Bob et 4 Force of Will à l'époque. Ça a été théorisé que c'était acceptable. Ouais, t'as 8 cartes qui mettent 4 dégâts ou plus. Mais si on n'avait pas décidé les vertus, c'est 10. Mais là, même si tu prends 4, c'est pas grave au pire en vrai. Les notes glissa, c'est un peu relou. Il va falloir partir sur un plan commandement de geeks, je pense. Ouais. C'est très relou même. C'est un bon plan, hein, commandement de geeks, attention. Sachant qu'il est Golgari, ça, ça va résoudre quoi qu'il advienne. Par contre, quelle est la carte que bah, tu veux buffer avec mon commandement Ça dépend si... Si euh, il si a discard ou pas. Ouais, si je joue ça, je pourrais garder qu'un des deux. Donc, est-ce que je veux juste garder mon Bronco Après, il voit que t'as un commandement de Geeks. Donc, s'il a une discard, il va il va forcément la jouer. Je crois que je joue Prêcheur. Et je vois. Tu joues Prêcheur, mais tu bloques pas du coup. Juste, tu joues Prêcheur et tu passes Je joue Prêcheur au cas où on peut pas commandement de Geeks. Et s'il attaque, bah, moi je j'attaquerai avec mon Prêcheur. Ok, ok. Et s'il attaque pas, eh ben euh... oh, ben je joue on, perd, on perd une carte de value pour un scénario négatif. Est-ce que ça vaut le coup C'est-à-dire, on perd une carte de value ben, Du coup, si jamais on, on joue Commandement de Geeks, on ouais. perd une carte. Donc, ben on je... perd une carte dans l'anticipation d'un scénario peut-être négatif. Est-ce que ça vaut le coup Je, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. C'est une décision qu'on a prise qui peut se valoir. Bah, sachant qu'on n'est pas obligé de commandement de Geeks tour d'après. Non, okay. Et s'il si, si développe genre euh, any créature euh, un, peu, un peu méchante, c'est pas mal quoi. En fait, du fait qu'il le connaît, c'est peut-être bien. Parce que s'il le connaît, il veut tourner autour. Et donc, à, à ce compte-là, c'est pas mal de développer Prêcheur, je pense. Il y en a qui va défausser un land. Et aussi. Et tu vois s'il si la discard là, bah je peux attaquer dans l'Indiana, c'est pas grave. Ouais, mais en fait c'est ça, c'est que cette ligne là elle est meilleure du fait qu'ils comment qu'ils connaissent Geeks, parce qu'il ouais. va forcément se mettre dans une disposition où Geeks te lui fait pas trop mal quoi. Tu ouais, ouais. top deck anti-bet, t'es très très bien. Je vais diminuer un peu les chances. Euh, J'ai pas de double bleu donc je peux prendre ma forêt. Oh, nice. Ok. Ah, T'es obligé de, de double conner. attaque dans. Je peux animer ça pour attaquer et être sûr de tuer Liana. C'est peut-être pas si mal. Ça fera aucun effet par contre, comme je n'attaque pas. Euh... Pas je, je suppose que c'est quand même important de tuer Liliana. Je crois que ça vaut un tour de ou alors perdre avec... de tempo. Maintenant, bah j'attaque avec les deux. Et s'il bloque et qu'il garde sa bah moi je peux commander mon Geeks. Peut-être mieux. Ouais, ok. Vas-y. Ça me va. C'est probablement mieux. Et au pire, au pire, tu peux développer du board de ton côté. Oh, quelle grâce! Ok, il perd la Liana. Ouais, du coup, c'était un meilleur play, effectivement. Mieux, et je vais glisser à Bronco. Et tu vas commencer, euh, effectivement, à développer glisser à Bronco, et, et franchement, on est bien, là. Hein. En plus, avec euh, Egoul, le tour d'après, tu pourras filtrer ta draw. Ouais. Juste euh, les deux chauves-souris qui sont un peu relous, ça fait drain de vide de tous les tours. Ouais, mais ça devient tellement fragile, plus le late game avance, et plus euh, elles vont se retourner contre lui, ces chauves-souris. Enfin, genre, dès que tu vas débloquer un... Là, il est obligé de jouer en connaissance de cause que tu peux le tu peux le commandement euh, pour toujours quoi ouais en fait c'est horrible chauve souris c'est bien dans les plans de jeu tempo parce que du coup la carte que tu prends tu vas clore la game donc le gars ne reverra pas dans mmh. les duels de midrange un peu grindy c'est horrible de prendre un commandement de geeks parce que dans tous les cas tu es obligé de tourner autour quand bien même tu l'as pris ouais c'est clair donc euh, je suis même pas sûr que ce soit un scénario favorable pour lui euh, est-ce que j'attaque avec Glissa s'il bloque pas ah, le, le cas chiant c'est juste s'il bloque avec Bronco mais nous on pourrait bloquer la scène avec Bronco aussi s'il bloque pas je pioche je peux tuer euh, euh, je peux tuer une chauve-souris ou Glissa ou ah, plutôt une chauve-souris non je crois qu'il faut que juste passer là tu passes et si lui attaque tu trades favorablement ouais ça me en fait, si jamais je pioche ça et que je fais ça et qu'il trouve une autre chauve-souris ou quoi, c'est relou. Ouais, ouais. Donc, non, pas non je pense qu'on qu n'est pas, pas pressé. En fait, ce qui est juste chiant, c'est que là, quand je vais faire ça, je ne pourrais pas le faire dans le tour. Comme j'ai un land tap encore. Donc on sera dans le même scénario où il peut trouver anti bête Euh, discard, pardon. Oh, la miroir de midrange, ça, ça rigole pas là. Ouais, mais c'est passionnant, c'est mes games préférés. Ok, retrouve une chauve-souris. Du coup, on a bien fait du de coup, ça. Ok, on, on va le bloquer favorablement, ça. Ouais. Hop les. Bon. Oui, Et là, plus, on il s'est écrasé. Il va donner, ça. il va donner sa chauve-souris pour rien. Et perdu. Je me demande même s'il y, y a un fait. monde où c'est pas Glissa que tu dois tuer et Ozef de ces chauves-souris, vraiment. Peut-être, ouais, je suis en train de me demander. Je, je crois qu'on s'en fout en fait. Genre là, tu récupères un. Ok, tu récupères un. Comment il s'appelle Machin de Geeks, mais est-ce que franchement c'est giga en fait, important là Machin de Geeks, je lui fais sacrifier ces deux chauves-souris et sa Glissa, mais moi je sacrifie aussi ça, tu vois. Bah ouais, c'est Ouais, non, je crois que c'est. On tue Glissa et on attaque. Je crois que tu, tu glissas. Par contre, tu peux pas attaquer avec ta propre glissa. Tu dois sceller un de tes broncos parce que sinon, tu prends trop cher. Bah, soit j'attaque avec glissa à prêcheur. Soit bah, j'attaque avec... de C'est mieux de sceller un bronco. Comme ça, tu payes pas un point de vie. Et d'attaquer qu'avec prêcheur. Ok. Et je vais quand même faire un peu de sélection avant. On ne sait jamais. C'est ça. C'est bah, non. non. Du coup. Ah, j'aurais pu euh, regarder remarque. Fais attention quand même à attaquer avec le bon bronco. Ouais. Parfait. Ok. Il va manger un bronco qu'on va rejouer. Pas de galère. NP. Je crois que j'aurais mangé le prêcheur, moi, à sa place. Bah, il perd son land. Ouais, mais au moins il n'y a plus de pressure. Je crois qu'il pense faire la... Enfin, il pense aller au bout avec ses chauves-souris. Et je comprends, hein, je... je pense que nous, on a fait le bon play, mais que ce play-là lui permet quand même lui de continuer à exister dans cette game. Mm. Et en même temps, si nous on bourre avec toi aussi, euh... là maintenant tu, là... Peux... tu vas pouvoir mettre pas mal de dégâts avec tes broncos. Hein. Là, tu peux développer de la zave. Tu, re... tu garderas ton 4-4 up pour son attaque à lui avec son land. Euh, ouais, je peux le payer là, c'est bon. C'est ça. Et là, tu peux faire l'Azav et un 1-1 sur un Bronco. Je gagne pas mon et point de vie. à 3-3 sur un Bronco. De quoi Je gagne pas mon point de vie. S'il si met quand même 3 par tour, hein. on est à 7. Je pense que ça change pas. Euh... En fait, il faudrait que tu gagnes 3 points de vie pour invalider la race qu'il te met avec les chauves-souris. Tu vois ce que je veux dire hum... Si tu passes pas à 10, il te tue dans le même nombre de tours. Donc moi, je, je prendrais plutôt le parti d'attaquer de... avec tes deux Broncos. Ouais. Comme ça. Sachant qu'il va, hein. qu va en tuer Sachant qu'il va en tuer un, ouais. Mais toi, t'auras pioché de deux cartes et tu l'auras mis les dégâts dans la trogne. C'est vrai. Allons-y. Okay. ok. Je vais peut-être jouer ça du coup. Ouais, il faut qu'on trouve un anti-bet en fait. Là, on est à la on est à la merci de trouver un anti-bet Mais je me dis qu'à force de piocher avec Bronco, tu vas finir par en trouver. Bah je vais piocher plus qu'une carte là avec Bronco. Ouais. Mais c'est pas grave que tu vas piocher avec Glissa parce que t'as assez de assez de crew maintenant. Oui, après je pourrais. Enfin, je piocherai toujours avec Glissa et un Bronco. Le tour d'après. Mais en gros là Glissa. le petit point de vie, il avait pas tant de valeur que ça parce que. Parce que ça ne te, ça te sortait pas de la race qu'il est en train de te proposer. quoi. Ouais. Par contre, à un moment, lui aussi, à 14, faut voir il faudra qu'il fasse attention. Là, tu pioches un anti-bête, c'est létal, je crois, si tu attaques avec tout. Le problème, c'est qu'il y a ton Bronco qui peut te tuer. Ouais, donc c'est pas, pas possible. Là, je vais commencer à attaquer avec mes, mes petites bêtes, je crois. Okay, oh, il est grouilleur. Il est grouilleur, ils sont 4-4. Fait donc. Je sais pas si vous vous rappelez, on a mis Glarbe dans le deck. Oui, c'est vrai, je, je sais pas où est Glarbe, hein, mais bon, c'est pas très très grave. Il est en train de Glarber. C'est tout lui, ça. Ah Un peu tard. Hmm... Il y a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais tu as surtout, si tu t'attaques pas avec Bronco, tu fais anti-bet et je mets 4, as gagné. Sauf que, il a le land. anti Ah non, mais seigneur 15... grouilleur, ça, ça, ça bloque pas. Pardon. Si c'est les, ah, si. les tokens qui bloquent pas. Parce que là, s'il trouve un commandement de Geeks qu'il joue sûrement, il met des marqueurs sur une chauve-souris, on est mort. il faudrait gagner des points de vie. Après, je peux reprendre mon commandement de Geeks aussi et faire des trucs. Hein. Tu reprends ton commandement de Geeks, ça fait quoi? Je peux mettre deux marqueurs sur qui sont lifelink. Ouais, c'est pas mal de ça Vas-y, fais ça. T'emmerdes pas. Secure, secure la game en fait. Ouais, ouais. Là, on est dans une espèce de race bizarre. Euh... Faire ça. Je crois que tu mets. Ouais. Il a, il a vu que là, c'était dramatique. Et et bah, puis... écoute, il n'y a pas eu Glarb, mais la game était vachement cool. Ouais, grave. Très, très cool. Imaginez ce que ça fait à... avec ce deck. Bah, en vrai, je sais pas trop ce que ça fait si ce n'est de donner de la value, mais c'est pas plus synergique ah bah. que ça. Hein. Ça, te... ça va souvent te trouver des lands et tu vas essayer de surveiller des, euh, des drop 4 ou plus. Ouais, ouais. Mais là dans la situation Je reprends le deck, Glarbichi dans la situation ouais. où, euh, où Glarb du coup euh, stick sur le board genre là toutes nos créatures stickaient tout le temps à part sur les phases d'attaque et mmh. ben là genre en mirror comme ça t'as Glarb donc tu vas lander euh, tous les tours plus surveiller aller chercher des trucs oh, Et ouais, ce que tu vas chercher c'est vraiment solide hein, Tu vas chercher des, des enquêteurs des raids. C'est vraiment vénère quoi non, mais je pense que c'est très bien. Et en fait, moi, ce que j'aime bien avec Glarb, en fait, c'est que c'est un 2-4 Death Touch pour 3. Et ouais. ça, ça lui donne le oui. même body que Pressure. Très bon body en plus de ça. Euh, bah, écoutez, fin de cette vidéo. Mais juste avant, je vous avais promis une anecdote. Et je récompense les viewers du vendredi. Ok. Du coup, là, fin de la vidéo, petite anecdote. C'est peut-être même un petit extrait qu'il y a au début pour dire aux gens qu'il y a euh, la petite anecdote à la fin. Je ne sais pas. Okay. Euh, je vais, comme tu le sais, bientôt déménager. Puisque oui. euh, là où je loue, la personne décide de vendre et je décide de ne pas acheter. Et okay. euh, comme je suis dans une petite résidence, les voisins sont très curieux de ça. des quelqu'un qui va partir, des nouveaux gens qui vont acheter. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé récemment euh, Mon voisin de palier direct, il vient sonner chez moi. Genre, je viens de rentrer de mes courses, je viens de monter les sacs et tout, un peu en suçu, tu vois, un peu en sueur. Ça sonne chez moi, je me dis putain, qui sonne chez moi Genre, ça sonne pas à l'interphone chez moi, donc c'est quelqu'un qui est dans l'immeuble. Oh ouais, directement chez toi, quelqu'un est monté. Ouais. Voilà, J'ouvre, c'est mon voisin de palier, du coup, et il me dit Ouais, euh, c'est ma chérie qui ouvre, il est pas là, votre, euh, votre bordel là <laughs> Donc en parlant de moi, euh, je suis en mode Ben bah, si, si, je suis là, qu'est-ce qui se passe Il dit Ah, oh, j'ai mon téléphone, il est bloqué, machin, j'ai pas le code. Je dis Ben bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse je, je ne sais pas. Euh, essayer de réinitialiser, euh, regardez sur Internet. Oui, mais il faut un truc que je n'ai pas. C'est une vieille et personne euh, ouais, il doit avoir 70 ans, tu vois. Et j'ai dit, mais euh, je sais pas, je peux pas vous aider, je ne sais pas le faire. Euh, regardez sur internet, il est quand même débrouillard, tu vois, il peut le faire, tu vois. Donc c'est bizarre mmh. qu'il arrive, il dit, ah, oh, je viens de l'acheter, il n'y a pas le code, trop bizarre. je suis d'accord, euh, je sais pas. Il dit, ah, bah, bon, c'est pas grave. Et dites-moi, j'ai entendu que vous partiez. Et du coup, après, il m'a parlé 10 minutes de mon départ, et de... il a peur des nouveaux gens qui vont arriver et tout, mais il a trouvé un prétexte il... pour venir sonner chez moi. Donc il a prétexté son téléphone nul là. Voilà, pour pas... venir te, te questionner sur les arrivants. C'était pas du tout un nouveau téléphone, c'était juste son téléphone d'avant. Il a dit, ah, il est que bloqué, on s'en fout. Euh, Dites-moi, vous déménagez ce, ce qui, <laughs> ce qui me gêne encore plus, c'est que quand ta compagne ouvre, hmm. il demande pas à ta compagne parce que tout ce que tu lui as raconté, il peut non. le demander à ta compagne. Ah non, parce qu'il parle pas aux femmes, lui. On parle entre euh, ah, Voilà, parle entre hommes. Non, non, je veux ah, parler au mec qui sait. Là. <laughs> Super, euh... bah, dégage, voilà. Et en plus, il commence à rentrer chez moi pour parler. J'ai dit, ouais, non, par contre, non, en fait. Non, voilà. non, ouais, bonne journée, au revoir. Je voulais partager oh, ça parce que, que j'ai trouvé ça incroyable de faire ça, ah, en fait. Ben... Oh, regardez, euh, mon doigt, il est bizarre, non Sinon, vous déménagez bientôt oh. une, une certaine partie des vieilles personnes. On adore, bon, hein, voilà. Je vous régale. Je sais que cette anecdote sur les voisins intrusifs, ça va en régaler certains. Euh, fin de cette vidéo, le commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description avec notre chaîne Twitch, ValPL Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.